vois un monsieur qui arrive et qui rappelle à l'ordre tous ceux qui marchent dessus en leur demandant d'aller un peu plus loin. On va lui poser la question. Bonjour, excusez-moi, faut pas marcher dessus, c'est ça? S'il vous plaît. D'accord. Bon, non, faut pas marcher dessus, en fait. Hein. Alors, si par hasard, vous vouliez garder pour vous un bout de ce tapis, est-ce que c'est possible? Eh bien, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça fera un super souvenir. Ce qu'on va faire, c'est que dès qu'il aura fini son interview, on ira poser la question à Christophe Arnoux. Un bout du tapis, c'est possible ou pas? Bah, je ne sais pas. On va savoir dans quelques instants. On va faire le tour, on va pas marcher dessus. Alors, on fait le tour. Hop là. Non. On fait le tour pour pas marcher dessus. On va là-bas. Plein de selfies là. Tu vas faire un. Bonjour messieurs dames. Vous avez votre petit programme, c'est ça là? J'ai un petit carnet avec les stars qui viennent sur Cannes là, pendant le festival. Puis j'espère en voir quelques-unes. Alors, vous avez leur 06, leur heure d'arrivée? Pas vraiment, non. Non. Eh bien, Alessandro Gonzalez, le président du jury, Elle Fanning, Alain Delon, entre autres, Brad Pitt, enfin plein, voilà. Il y a plein de gens qui viennent cette année, et beaucoup plus à mon avis encore que l'année dernière. Et voilà. Et du coup, vous espérez les voir? Vous venez d'où, vous? Alors, moi de Picardie. Voilà, et puis bon, j'ai ma fille à Cannes, donc c'est pour ça que je suis ici, puis j'en profite, quoi. Et bah, j'espère, oui, voir quelques stars, mais peut-être plus facilement aux hôtels, devant les hôtels. Hein, voilà. On vous sent vraiment ravie, là. Ah oui, je suis contente. Et en plus de ça, bah, je fais partager cette joie à mes petites filles qui sont très cinéphiles. Et... Parce que la mamie, elle ne connaît pas tout le monde. Vous leur faites quoi? Vous leur envoyez des photos? Voilà, au fur et à mesure des stars que je peux voir et que je ne reconnais pas forcément. Voilà. Bon, bah, bon festival à vous alors. Voilà. Merci. Alors, on avait un internaute qui avait une question. Est-ce qu'on peut récupérer un bout du tapis rouge? Vous savez, vous ou pas? Non, on va demander à Christophe. Toujours beaucoup de monde, hein, même si c'est pratiquement fini cette montée des marches. Mais les gens sont là, ils veulent voir parce que c'est un moment super important. Alors, non, Christophe Arnoux est toujours... en interview. Vous dire si c'est une affaire, hein, ce tapis, si c'est concernant. Là, ils sont en train de couper les derniers bouts du tapis pour qu'évidemment ça ne dépasse pas. Alors c'est ces petits bouts-là, hein, peut-être qu'on souhaiterait récupérer, mais je ne sais pas si c'est possible ou pas. Mais oui, alors un petit truc comme ça, c'est plutôt pas mal. Hein. Peut-être aller lui demander. Non, il est encore en interview, on attend.
Alors je crois qu'il y a des gens là-bas qui demandent des bouts du tapis, on va voir. Non, pas encore, on sort pas, encore. Ah si, vous allez sortir à un moment donné. Pas tout hein. de suite. Bon, vous allez payer. On voulait savoir, il y a des gens qui demandent des bouts du tapis ou... Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne ou... Ah, bon, sécurité, je parle pas. D'accord, bon. S'il vous plaît. C'est un internaute qui nous demande s'il peut avoir un bout. Qu'est-ce qu'on lui répond? Qu'on ne sait pas. Ils peuvent demander le tapis. Ils le changent, donc ils s'en foutent de donner un petit morceau. D'accord. C'est pas grave, ça. Bon, on va aller voir Christophe Arnoux. Il n'a pas fini encore. Ah, viens, on va voir. Dites-moi, il y a des internautes qui nous demandent s'ils veulent récupérer des bouts du tapis. C'est pas possible. Bah si. Ah, vous vous faites engueuler? Oh, je plaisante. Non, mais après, tout ça, ça part au recyclage et voilà. Donc, comment ils pourraient faire s'ils veulent en récupérer du tapis? C'est très compliqué. Il faut qu'ils attendent la fin du festival du film, en fait. Ouais, voilà. Pour bien faire. Après, c'est compliqué. Hein. Après, c'est compliqué. On donne à un, faut donner à tout le monde. Oui. Là, parce que là, c'est une question qu'on doit vous poser mille fois par jour. Ah non, alors, c'est surtout la question principale qu'on nous pose, c'est mais pourquoi vous le changez, le tapis? Parce qu'il est propre, on peut mettre un coup d'aspirateur. Je dis, ben non, c'est chaque production, voilà, chaque montée officielle, il y a un tapis rouge propre. C'est tout. Le même droit pour tout le monde. Donc, des petits bouts du tapis, pas évident d'en avoir quand même. Pas évident. Il y a quelques chanceux de temps en temps, mais... Ah. Voilà. Ok. C'est quand même 1 million. Ah bah ça fait pas beaucoup, hein. On en donne un bout à la journaliste. Ah, vous m'en donnez un bout? Ah oui, parce que quand même, elle est sympa. Bon, mais c'est gentil, alors. Faut participer, quand même. Oh là 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 là. Alors, la spéciale, c'est quoi? C'est lui qui a inventé ça. Alors... C'est un filmé, ça. C'est une spéciale. De monsieur, inventé. Oh là là, mais vous faites de moi la plus heureuse des journalistes. Super. Ah bah là là, c'est trop beau. Merci beaucoup. Eh ben, nous voilà avec notre petit bout de tapis rouge et son petit cœur qui va bien. Eh ben, c'est là-dessus qu'on termine ce Facebook Live.